Souviens-toi, ma Clara. Quand tu m'as décrit ces noces de Figaro données par des Italiens, données comment? Tu ne peux pas te le figurer, disais-tu. À chaque terminaison de phrase, ils ajoutent une cadence italienne et ils la chantent sans le moindre style et méconnaissent vraiment le grand maître. Il vaut mieux toujours que le virtuose nous transmette l'œuvre et non pas lui-même. Notre journal écrit à quatre mains, Clara, tu écrivais. Le dimanche 5, Liszt est revenu pour jouer le duo avec moi. On devine sans peine l'accueil du public. L'œuvre a fait fureur et nous avons dû bisser la fin. À l'entracte, Liszt eut la délicate attention de m'offrir un bouquet de fleurs. Geste que le public goûta fort. Les applaudissements qui m'avaient accueilli à mon entrée ne cessèrent d'aller crescendo durant tout le concert. Pourtant, j'étais mécontente et même très malheureuse, le soir et les jours suivants, parce que mon jeu n'avait pas satisfait Robert.